Merci Jésus. Alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ce soir, bien fait, on est connecté à ce live. Ce soir, je crois que la parole de Dieu peut adresser à chacun d'entre vous. Et la parole inspirée est capable de faire du bien. Mais ce soir, connecté à la parole de Dieu. Évite toute distraction. Tout quelque chose qui est capable d'empêcher nous de recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Ce soir, si vous la première fois, vous écoutez la parole de Dieu. Prenez ce pas en quête de la solution, de la porte, de la vérité. Ce soir, nous vous présentons Jésus. Nous sommes ouverts à l'écrire et recevoir. Seigneur, nous venons vers toi ce soir. Alléluia. Nous glorifions-toi pour ta parole qui fait du bien. Ta parole dit, la parole de Dieu lui est envoyée pour guérir, pour délivrer. Oui, Seigneur, la parole inspirée est capable de sens, la destinée. Alléluia. Je te dis merci pour chaque lecteur, chaque âme qui peut connecter à cette parole. Ta parole, l'issa de l'eau qui rafraîchit. Alléluia. Fais ton travail, papa, pour ta parole. Je te dis merci. Merci que le Saint-Esprit lui convainque Manéke ce soir. Alléluia. Oui, Seigneur, qui toute la gloire lui revient à toi tout seul. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu, où veux-tu mais la côte n'a peine si mais travaille dans l'invisible. Y a paix où veux si mais pour moi, Jésus, l'immo bon Dieu, laissez-moi fort dans sous les bras. Ce compassion et ce puissance, ça même me réconfort, ça même me réconfort. Bon Dieu, où veux si mais la côte n'a peine si mais lui travaille dans l'invisible. Il y a paix où veut si mais pour moi. Jésus, lis-moi, mon Dieu, laissez-moi fort dans sur les bras. Ce compassion et ce puissance, ça m'aimerait confort, ça m'aimerait confort. Mon Dieu, où veux-tu la côte n'a peine si l'y travaille dans l'invisible. Y a paix où veux-tu pour moi, Jésus, l'immo bon Dieu, laissez-moi fort dans ce les bras. Ce compassion et ce puissance, ça m'aimerait confort, ça m'aimerait confort. Quand me crie à Jésus, tout quitte ce vin possible, mon autorité pour déplacer montagne. Quand me crie à Jésus, n'en y est pas impossible, mon autorité pour s'asbander mon. Quand me crie à Jésus, tout quitte ce vin possible, mon autorité pour déplacer montagne. Quand me crie à Jésus, n'en est pas impossible, mon autorité pour s'asbander mon démon. Quand me crie à Jésus, tout quitte ce vin possible,
Mon autorité pour des places montagnes. Quand mon cri à Jésus n'en est pas impossible. On a l'autorité pour s'asseoir mon. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, papa. C'est vrai, quand nous crions à toi, quand nous crions à Jésus, toute chose est possible. Quand nous crions à toi, Seigneur, non, rien, pas vie impossible. Tu fin de nous l'autorité comme tes enfants, Seigneur, pour chasser un démon. Quand nous crions vers toi, Seigneur, alléluia, nous pouvons crier vers la solution. Papa, nous les remercions toi pour ta présence ce soir, lorsque ça lève là, papa. Nous pouvons comprendre plus cette parole, nous pouvons comprendre plus ce qui te fait réserver. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui est avec nous. Tu es un Dieu qui est capable d'agir et manifester ta puissance, Seigneur. Nous comprenons que tu es un Dieu, alléluia, qui est capable de faire un miracle, qui est capable d'agir, qui est capable de guérir, Seigneur. Ta parole fait montrer nous et puis continue montrer nous comment tu es un Dieu qui est grand, Seigneur. Alléluia. Nous fiers qui nous connaissent toi, nous fiers qui nous connaissent Jésus-là. Nous fiers, alléluia, qui nous font partie dans la famille de Dieu. Papa, ce soir, ta parole rentre dans ma case, dans ma maison. Elle permet qu'il y ait des gens de recevoir ce qu'ils ont besoin de recevoir de toi, Seigneur. Fais du bien pour ta parole, Seigneur. Fais du bien dans nos âmes et dans nos l'écho, Seigneur. Papa, nous sommes attentifs à ta parole. Oui, Seigneur, nous finissons choisir à la bonne part ce soir pour écouter ta parole, Seigneur. Ce qui t'a fini réservé pour nous. Et d'avance, nous pouvons dire, nous pouvons confesser qu'il te fait une réserve une bonne chose pour chacun de nous. Tu n'as pas guetté l'âge, tu n'as pas guetté si nous sommes trop jeunes, tu n'as pas guetté si nous sommes trop une personne âgée, mais tu concernes à tout le monde pour faire nous du bien. Alléluia. Oui, Seigneur, alléluia, nous louons toi, nous glorifions ton nom, Seigneur. Amen, 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 amen. Mo, saluez tout dans le nom de Jésus ce soir. Bonsoir la famille de Dieu. Bonsoir ben quelqu'un qui peut écouter nous. Et c'est vraiment une grâce peuple de Dieu. Quand nous sommes capables de porter de la parole de Dieu avec vous. Et mettez tout confortable là quand vous êtes. Vous êtes capable dans la chambre, dans le salon. Vous pouvez écouter ça live là dans le tout. Peu importe que tu étais, mon bon frère, mon bon sœur, écoute ce message attentivement. Mon vraiment reconnaissant, envers mon bon Dieu qui peut permettre moi être la personne qui peut porter la parole de Dieu ce soir avec vous. Et qui voit un nouveau, qui voit une nouvelle, moi tu me demandes, conscient qui ou écoute. Pas mes paroles, mais la parole de Dieu. La parole qui vient d'en haut. Et la parole qui est capable d'amener beaucoup de choses dans la vie. Moi, vraiment reconnaissant envers mon papa, le pasteur Norsou, le président de la Voix de la Livrance, qui a aujourd'hui l'une de moi à l'occasion, là, encore une fois. Au capable de trouver chaque fois qu'il me gagne l'occasion pour remercier mon papa live, ou capable de dire, mais chaque fois, il dit ça. Vous connaissez mon reconnaissant envers mon papa. Parce que si aujourd'hui, mon lance, c'est grâce à mon Dieu, et c'est grâce à mon papa, mon maman et toute la famille. Et mon reconnaissant. C'est pour cela que mon papa dit ça par tradition, juste pour dire. D'ailleurs, il n'est pas diamant d'y aller. Mais moi, comme une reconnaissance, mon envie d'y aller ouvertement.
qui me reconnaissant envers mon papa, qui donne-moi l'occasion pour partager de la parole de Dieu. Nous voulons vraiment reconnaître, être reconnaissant envers vous. Tout bon mardi qui vous peut entendre de la parole de Dieu. Nous faisons comprendre, moi avec mon papa, nous comprenons les affaires. Ce qui est une personne qui peut écouter dans plusieurs pays, même dans les autres églises. Nous avons aussi quelqu'un qui peut écouter dans l'église. Mais gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous reconnaissons envers vous. Nous vraiment reconnaissons. Et moi, je dis à vous, merci pour la prière. Merci pour le support à nous qui peut porter la parole de Dieu tous les mardis. Moi, je dis à vous, comment allez là, me dire, même dans la prière, laisse-nous attentifs à la parole de Dieu. N'a pas quitté sa lève là, au milieu, ou tout de suite. Mais laisse au conti écoute sa message jusqu'à la fin. Sa prédication là, il n'est pas juste un message. Il n'est pas juste une parole qu'il peut entendre. Mais c'est une parole qui fait un sens la vie beaucoup de monde. Et même, me font partie là-dedans. Si vous finissez de nous poster, je crois que vous connaissez un petit peu ce qui nous peut causer. Nous postons à nous écrire quand Dieu, quand rien plutôt, n'est impossible à Dieu. Moi, montrez-nous un aspect de sa bonté qui est tout puissant. Moi, j'ai l'assurance pour dire où qui nous servit un grand bon Dieu. D'ailleurs, si moi là devant où, parce que bon Dieu fait sens de la vie. Jésus fait sens de la vie. Là que tu parais vraiment impossible. Je connais le mot impossible. C'est un mot très très fort. Impossible veut dire pas n'a aucune solution. Impossible veut dire mais qui peut arriver. Il paraît plus négatif. Mais moi content que la parole de Dieu dit rien n'est impossible à Dieu. Les cas paraît une montagne, les cas paraît un Goliath. D'ailleurs, moi, la vie, quand je suis très très jeune, je trouve un Goliath devant moi, je trouve une montagne. Pareil que moi aussi, peut-être. Mais quand on finit de découvrir sa bonté qui est tout puissant, hein? Gloire à Dieu. Les sens impossibles, là, les faire vivre possible. Et ce qui est plus intéressant, mon bon Dieu qui peut montrer où ce soir, c'est un Dieu qui donne nous un meilleur avenir. Alléluia. Si vous trouvez l'avenir, somme. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de dialogue, beaucoup de paroles qui disent mais ton avenir paraît somme. Ton avenir paraît dans nos hâtés. Il paraît impossible pour te réussir. Mais pour bon Dieu, il est différent. Quand tu découvres qu'il bondit avec toi, ça quitte ce qui paraît impossible là, mais pour bondir, il pouvait être possible, il pouvait donner toi un meilleur avenir. Mais on a l'assurance pour dire où? Qu'il bondit les concernés avec tout le monde qui croit dans lui. Si vous écoutez moi, aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui vous écoute. Sa prédication là. C'est le plan de Dieu qui vous écoute sa message là. Parce que qui fait? Bon Dieu a un meilleur plan pour toi et pour moi. Je tiens content de vous dire ça avec beaucoup de confiance avec sa bonté là. Dire bon Dieu a un meilleur avenir pour moi. À cause ça même qui a dit, je vais vous montrer où qui nous besoin pas de limite, bon Dieu. Par limite, ce que bon Dieu est capable de faire dans la vie. Elle a prié qui me fait tous les jours. Elle a prié qui me cause avec mon bon Dieu. Je me dis, Seigneur, je ne pas pour limite toi. Je voulais vivre une vie de miracle tous les jours, chaque seconde, chaque minute. Que cela paraît impossible devant moi, dans le naturel plutôt, me trouver impossible.
Mais Seigneur, par toi, ça qui se a pu changer, elle est pour une possible au nom de Jésus. La famille de Dieu, peuple de Dieu, dans Luc 1, verset 37, qui nous trouve ça. Les montrez-nous, qui les montrez-nous. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais tu as content de montrer où aujourd'hui, dans quel contexte, dans quel moment, nous trouvons verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible a montré nous que certaines petites choses, bon Dieu est capable d'agir. Certaines petites choses, il n'est pas capable d'agir. Non, non. Dans tout aspect de la vie, qui la santé, qui travaille, qui est famille, vous pardonnez-moi, n'importe qui accès de la vie, ou la vie en entier, ou business, qui concerne la vie, je peux dire. Tout ça là, bon Dieu, il agit. Tout ça là, bon Dieu, il est capable, sans demande d'affaires. Il paraît impossible que vous travaillez réussi, peut-être. Il paraît qu'il est impossible au business réussi. Mais bon Dieu dit non. La même, pour faire ça l'impossible, là, 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 pour une possible. Peuple du Seigneur, alléluia. Nous avons le contexte de ce verset-là. Nous réouvrons la Bible. Ben, quelqu'un qui peut connecter à ce terme-là. Luc 1, verset 37, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez. Bon frère, bon sœur, qui t'est arrivé dans sa verset-là, dans sa contexte de sa verset-là, dans sa moment-là? Verset 26, il montre nous qu'il y a un ange Gabriel, qui finit envoyé par Dieu. Je connais la famille de Dieu, peuple de Dieu, quand on a qu'il ou la vie. Beaucoup de monde, bon Dieu pour envoyer au chemin. Vers où? Pour aider. Beaucoup de personnes pour venir pour qui finissent envoyées par Dieu pour aider. C'est vrai. Pour aider. Pour les sous ou pour trouver la porte ouverte dans la vie. Qui pour bon Dieu pour servir. Ben envoyé par Dieu pour aider. Et justement, nous trouvons un ange, Gabriel, qui fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth. Et ça, qu'un ange fut envoyé, ça, ange plutôt, fut envoyé vers Marie. L'ange fut rentré chez Marie, et il y a des petites choses qui me sera content que ça l'ange a fini dire à Marie. Ou capable d'étudier les plis après. Et dire, une grâce a été faite. Première affaire, le Seigneur est avec toi. Il y a une communication avec Marie pour dire il y a une faveur qui peut faire, une faveur qui peut faire l'auto la vie. Et pas dit ça, le Seigneur est avec toi. Moi, je dis une affaire, ou pas tout seul. Ou pas tout seul. Nous, pas tout seul, peuple de Dieu. Nous pas tout seul. Et ce qui est intéressant, quand vous acceptez bon Dieu dans la vie, et la grâce et la faveur qui bon Dieu les manifester dans nos faveurs. Il pas dépend de nous, il pas dépend de que tu restes, il pas dépend de qui pays. Mais il dépend de croyance dans Dieu. Alléluia. Mon frère, mon sœur, Marie Covington, sa parole là. La Bible montre nous les dire, les troubler par cette parole. Assez, les dire, mais c'est qui te peut dire là, la grâce qui me fait l'homme la vie, le Seigneur avec moi. Qui te peut redire pour sa telle salutation là? L'ange dit aller comme ça, ne crains point. Alléluia. Ça, c'est une grande chose qui est important. Faut pas ou inquiéter. Dis moi pas inquiéter. Parce qu'il quitte ce qui est impossible là, les poussants et tout est possible à Dieu. Notre Marie, notre grâce devant Dieu. D'y aller comme ça, tu peux avoir un enfant. Pas ça, pas n'importe qui enfant, tu peux gagner. Tu peux gagner
un garçon qui prenant le nom de Jésus. Tout le monde dit le nom de Jésus. Et ça qui qu'un homme, il prend quelqu'un qui grand, il peut appeler fils du Très-Haut. Et le trouver, Marie peut demander, mais comment ça peut arriver, etc., etc. Dans le verset 36, il montre nous qu'Élisabeth, qui parentait, il est aussi dans ce vieillesse, aussi les bougains enfants. Et ça qui qu'un an, il est stérile. La même qui nous trouvait après ça. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça ne connaît que sa situation, sa moment-là, lui paraît pas possible. Sa moment-là, lui paraît impossible. Mais selon la parole de Dieu, toute chose est différente. Selon la parole de Jésus, toute chose est différente. Marie est soumise complètement à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est son message qu'il finit de recevoir de sa ange-là? Il fait mes confiance dans son message. À cause de même peuple de Dieu, toute la vie ou bien basou même la parole de Dieu. Soumettre complètement à la volonté de Dieu. Soumettre ou même l'aussi qui bondit. Je connais bondit dans le meilleur plan. Bondit dans le meilleur plan, lui. Bondit dans tout pour. Quand nous guettons plan bondit, il est parfait, ça. Il est parfait. La famille de Dieu, peuple du Seigneur. Matthieu 19, verset 26, il dit à nous comme ça. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout le monde dit, mais bon Dieu, tout est possible. Parce qu'on est l'homme, il y a une limite. L'homme, il y a une limite, les peuples de Dieu. L'homme, il y a une limite dans son intelligence. Mais bon Dieu, toute chose capable de possible. Ou capable d'être meilleur du monde qui est plus intelligent qui existait. Mais les points de limite. Il y a quelque chose qui n'est pas capable de faire. Il est impossible. Il y a de nous quelques solutions, mais pas toutes solutions. Mais bon Dieu de dire, mais à Dieu tout est possible. Si vous écoutez ça là, mettez Dieu, tout est possible. À cause ça même, il montre nous dans sa verset Matthieu 19. Alléluia. Matthieu 19, verset 16. Et Dieu nous, un homme, il cause un jeune homme qui est riche. Un homme qui fait un procès de Jésus et dit, qui m'a besoin de faire pour gagner la vie éternelle? La famille de Dieu, ça c'est lui qui me présente devant où? C'est vrai, la terre est temporaire. Pour un jour, pour un moment, pour un l'air, pour une date, pour une année. Qui ne m'a pas pour là? La terre. Je ne pas connaître quand. Je ne pas connaître qui l'année. Qui ne m'a pas pour la terre, fini. Mais ce qui me connaît, je peux gagner la vie éternelle. La vie éternelle veut dire que je peux continuer à vivre. Pas la terre, mais avec mon bon Dieu. Je trouve un homme qui approche de Jésus et dit, allez, qui m'a besoin de faire pour gagner la vie éternelle? Et Jésus dit, mais qui fait tu peux interroger moi ce qui est bon? Un seul qui te c'est qui te besoin, observe les commandements. Quand vous observez la parole de Dieu, ou en a crainte pour bon Dieu, ou content bon Dieu, ou soumettre à ce parole, tout qui est impossible pour vivre possible au nom de Jésus. Jésus donne un analyse, je ne peux pas dire. Il ne faudrait pas te faire tes affaires, il ne faudrait pas te faire tes affaires, il ne faudrait pas te donner une faux témoignage, tu as besoin d'honorer ton père et ta mère, tu as besoin de content de ton prochain comme toi-même, ça l'est bien important. Démontrez-lui aussi, le jeune homme répond. Il répond. Il dit comme ça, mais moi, j'observe tout ça, même quelque chose en moi. Mais si il répond avec une assurance pour dire, mais Zézi, tout ça là, je fais moi.
Mais qui est-ce qui manquait encore? Jésus dit, allez comme ça. Si tu veux être parfait, va vendre ce qui te possède et donne aux pauvres, etc., etc. Ou quoi? Ça qui est là, tu as tassé à ce bandit bien. Ce bandit bien. Et ce jeune homme-là, il est finalé avec une tristesse. Il dit, tu crois que tout ce qu'il peut faire, il peut observer les commandements. Et Jésus vient d'affaire et dit, il est plus facile un chameau de passer par un trou d'une aiguille. Moi, quand je connais qu'il y a une aiguille, ça trouve quand tu mets 10 fils là. Jésus dit, il est plus facile qu'un chameau qui a un risque. Parce qu'il risque ça, il se casse qui causait. Dans le royaume de Dieu. Les disciples finissent entendre cela et se finissent étonnés et dire, mais qui bien fait pour être sauvé? Jésus regarde maintenant et dit, aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À cause de même peuple de Dieu. N'a pas tasse ou même à man quelque chose de ce monde. N'a pas à tasse ou même ce qui man bénédiction qui est là. Mais à tasse ou même à quelqu'un qui fait une béni ou là. Ça plus meilleur. Ou envie qui vous la vie sans zé. Ou envie qui vous la vie sans zé. Ou on veut vivre dans l'autre niveau avec sa bonté là. Je vous dis, où est-ce que vous croire dans sa bonté qui est capable d'agir là. Marc 9, verset 23, qui nous bouguette ça ensemble. N'a pas limite bonté. Ce qu'on est aujourd'hui, souvent des fois, nous trouvons l'homme, limite ce propre pensée. Il y a une forteresse dans ce pensée. Il y a une grosse roche dans ce pensée. Il y met sa volonté avant. Il y met sa pensée avant. À cause même qu'il est boutroulé tout le temps impossible. À cause même qu'il est boutroulé pas réussi. Mais quand il met bondier devant. Quand il met bondier dans tout ce qu'il y fait. Alléluia. Peu importe, mon problème, mon épreuve. Mais il connaît ce bondier avec lui. Il connaît qui sa bondier là pour sens. Marc 9, verset 23, il dit à nous comme ça. Mais laisse-nous guider verset 17. Tina en kiken encore un homme de la foule qui finit répondre, Maître, bofin amène auprès de toi mon fils qui t'y possédait, qui est possédé plutôt d'un esprit muet. Là, nous trouvons une situation que un papa. Il peut faire face à une situation dans sa famille. De ce garçon. Et ce garçon-là, il fait face à l'esprit qui est mauvais. Qui jette-lui par terre, fait enfant-là grince les dents, fait enfant-là riac, sa façon de faire pas normal, comme un enfant qui t'y besoin. Et il dit, Jésus, tu connais mon phénomène, mon garçon vers te bandit disciple, pour ça, ça l'esprit-là. Mais je ne suis pas capable. Jésus dit, mais race incrédule. Jusqu'à quand vous pouvez avec eux, etc., etc. Verset 20, il dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus. Alléluia. Il ne faut pas oublier que quand le diable guette tout, il trouve Jésus dans toi. Quand le diable trouve vous, il n'est pas qu'à tous toi, parce qu'il a Jésus avec toi. Quand le diable gagne l'occasion de te la vie, c'est parce que quand tu n'as pas donné l'importance à Jésus, tu allais nous guetter ça. Nous avons besoin d'inviter Jésus dans nous la vie. À quoi ça aime tout le temps me dire, confesse le nom de Jésus, démon lui disparaît. Confesse le nom de Jésus, le diable n'y a aucun accès. Alléluia. Le trou de l'esprit là, il est agité avec violence, les tombe par terre, etc., etc. Et Jésus demande, papa là, combien de temps finit arrive-lui ça, sa situation là? Vous connaissez un papa qui, dans sous la case, peinant la paix. Un enfant qui pas pareil comme les autres enfants. Moi, je crois que papa là, tous les jours, quand il peut lever,
libéré toute solution pour capable et ce garçon sorti dans sa situation là. Mais au fil du temps, papa là trouve quelque chose paraît impossible. Mais qui s'en a pour faire ça? Peut-être sa papa là finalement vers un docteur, finalement vers un, bon pas connaît un spécialiste pour ça. Il trouve quelque chose impossible. Peut-être il trouve certaines quelque chose calmé, mais non, il n'est pas capable de faire, non. Mais, quand on a Jésus, ça quitte chose impossible là pour une possible. Ça quitte chose qui paraît tout le temps bien vivre comme ça. Tout le temps bien vivre sa garçon qui bien veille, tension, il y a pas qu'on qui arrive, lui plus encore. Mais aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit là y agit avec violence. Et verset 22. Vous trouvez que souvent, ça, l'esprit-là, jeté dans le feu, dans l'eau, juste pour faire lui périr. Ce qu'on est, un démon, ben, l'esprit de refaire toi détruire toute la vie et toute l'avenir. Ça, on connaît que l'avenir de sa garçon-là, il paraît un avenir qui finit. Comment un garçon comme ça pour qu'il meure? Comment un garçon comme ça pour qu'il travaille? Papa là, capable dans ce pensée, il dit, mon garçon, il n'y a aucun avenir devant lui. Qui peut arriver lui? Mais, si tu peux faire quelque chose, viens à nos secours et compassion de nous. Qu'est-ce que c'est la foi de sa papa là? Vous connaissez depuis naissance, depuis l'enfance, c'est comme ça, un garçon là. Mais là, papa là dit, la solution, c'est toi. Là, papa, là, il vient avec Jésus pour dire à lui, ça quitte ce qui paraît impossible, impossible qu'il y ait dans l'avenir, impossible qu'il peut arriver quitte ce, mais toi, tu ne peux pas faire le vin possible. Est-ce qu'il est là même? Quitte ça. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. À cause ça même, il y a un élément qui est important. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais il y a une affaire qui est importante. Moi, avec vous, nous devons continuer à croire que tout est possible. Est-ce qu'ils ont le même? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, il y a quelque chose qui démarrait. Il y en a quelque chose qui passait dans la vie de sa papa-là. Sa papa-là, sa parole qu'il fait entendre, ah, aussitôt le père, qu'est-ce qu'il dit? Papa-là pas dire comme ça, et nous sait un coup. Non. Sa papa-là, il dit, je crois. Tout le monde dit, je crois. Alléluia. Pourtant, imaginez-nous, un papa qui amène ses enfants vers un disciple, en café, non, il est capable de décourager. Il dit, quand il dit, ça, mon avenir, comme ça, ma famille, pour comme ça, mais ça, impossible, ça, impossible, ça. Non! Il a levé à Jésus, et pas dit ça, il est touché par parole qu'il finit d'entendre. Pas dit ça, mon frère, mon sœur. Il croit. Tout le monde dit, il croit. Jésus, il trouve la foule, etc., etc., et ça, il menace à l'esprit, là. Et ça, l'esprit, là, il saute dessus. Dans l'écho de sa garçon. Il pousse un cri avec une grande violence, etc., etc. Et sa garçon a délivré sa zoula. Tu dis, moi, il dit, sa garçon a délivré sa zoula. Je crois que sa situation là, tu parais impossible. Mais avec Jésus, sa garçon a gagné meilleur la vie. Sa garçon a gagné meilleur l'avenir. Amen. N'a pas trouvé où la vie doit être. Impossible pour une possible. Est-ce que vous l'emmène? Alléluia. Mais une affaire importante, c'est que nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à croire. Dans Actes des Apôtres 8, verset 37, il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et pas juste croire, nous devons croire de tout nos cœurs. Nous devons croire de tout nos cœurs. Mon frère, mon sœur, ou quatre ou moins devant vous.
Moi aussi, je fais face à beaucoup d'épreuves dans ma vie. Au revoir de nous la liste de mon épreuves. Mais bon Dieu, tiens-moi. Et bon Dieu, tu me donnes fidèle. Et dans un moment, tu parais impossible. Et dans un moment, physiquement, comme tu peux guetter, je dis tout peut finir. Je n'ai pas d'aller dans le passé. Quand je vous perds, je suis fille. Et tu parais impossible en termes de comment tu guettes sa situation-là. Mais bon Dieu, les sens à l'impossible. La côte, toute bonne personne qui, dans sa domaine, qui peut dire, qui peut faire, il paraît impossible. Mais après quelques minutes, on peut dire même après quelques secondes, ça quitte ce qui te paraît impossible là. Il est sans oser, il est même possible à Dieu. Est-ce que vous l'emmenez? Nous vous accroyons de tout nous le cœur. Quand rien n'est impossible à Dieu, est souvent utilisé pour exprimer sa conviction qui bondit et n'a le pouvoir pour surmonter toute bonne difficulté et mon obstacle dans la vie. Ou quoi pas dire, mon pasteur, ou pas connaître quelle situation m'a été. C'est vrai, je ne pas connais. Mais je connais les affaires. Bon Dieu n'a pouvoir pour enlever tout bon qui soit négatif dans toute la vie. Tout bon difficulté, tout bon obstacle. Ce qu'on a un obstacle, il empêche toi recevoir quelque chose de Dieu. Et sa parole qu'il dit quand rien n'est impossible à Dieu, c'est une parole qui souvent est utilisée pour encourager, pour renforcer un croyant qui croit dans un miracle. Une solution qui vient de Dieu. Un moment qui ben, dit, peut faire face, que je peux vivre dans désespoir, désespéré, déçu, tristesse, n'est plus connu qui peut faire, n'est plus une parole. Je crois que moi, avec vous, nous les ai fait face à ma situation où n'est plus une parole. Mais mon frère, mon soeur, quand bon Dieu est avec nous, quand bon Dieu est avec nous, alléluia, dans ce moment-là, Dieu donne une parole quand rien n'est impossible. Continue à croire. D'ailleurs, dans Marc 11, verset 22, il dit à nous, Jésus lui prend la parole et dit, et dans la foi en Dieu. La foi, c'est une ferme assurance dans Hébreux 11, ou comme ça, par cœur. Mais moi, il dit à une affaire qui, Marc 11, il cause la puissance de la foi. Comment, si vous avez envie de trouver ça, qui se passe sans aider devant vous, connectez vous-même. Parce que la puissance de la foi y attire bénédiction. Je crois que moi, avec vous, nous les trouvons dans la vie dans leur dimension. Nous les réussissons. Quand je regarde un petit peu tous les jours, ben, les élèves qui me travaillent, là, l'examen peut coûter. J'ai envie de réussir. Même un jour, je dis, même un élève, je dis, oh, monsieur, il ne faut pas qu'on révise. Mais tu ne peux pas qu'on révise, l'examen peut coûter. C'est oh, monsieur, vous réussissez, moi. C'était dans ça. Nous tous avons envie de réussir, mon frère, mon soeur. Dieu a un meilleur plan pour nous. Nous connecter. Nous connecter à ce plan-là. Nous connecter par la foi. Et dans la foi en Dieu. Matthieu 21, verset 22, il dit à nous, tout ce qui te demandait, avec confiance dans la prière, avec foi dans la prière, tu pourras recevoir lui. Ça verset, quand rien n'est impossible là, beaucoup de monde connaissent ce verset là. Ou capable d'être dans la salle aux vitrines, ou capable d'habiter chez elle au Facebook, ou capable d'être dans la voiture, l'eau potable, mais il n'y a pas de cette parole. Quand on est connecté à la parole là, remarquez les affaires dans ma situation, souvent des fois, il y a un verset qui Dieu rappelle toi pour montrer toi qui est avec toi. Et c'est un parmi qui bondit tout le temps, rappelle-moi.
car rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, mon sœur, laisse-nous pas limite, bon Dieu. Ou qu'on peut faire face à sa maladie. Je connais quand nous guettons Jésus, il y a la compassion. Il y a la compassion. Compassion veut dire les concerner avec toi. Les concerner pour sens de l'avenir. Nous tous. Les concerner avec toi. Les concerner pour pouvoir dans la porte. T'as l'air de faire une tonne de sa chambre. Mon Dieu, il est ouvert dans le cimé. La côte n'a pas de cimé. Il n'y a pas de parole, ça. Parfois, on a trouvé la porte. Un cimé. Comment ça s'y met là pour ouvrir? Mais comme on dit avec toi, tu ne peux pas inquiéter. Laisse-nous vivre quelqu'un qui continue à croire dans mon Dieu. Parce que mon Dieu est fidèle. Bon, montrez-vous une bonne situation dans la Bible. Un moment que. Un verset, un moment que. Une leçon qui nous a attiré. La famille de Dieu dans Matthieu 14, verset 15. Si vous avez la Bible avec vous, laissez-nous guetter ça ensemble. Mais pourquoi vous avez la multiplication aujourd'hui? L'eau, la multiplication. Quand le bon Dieu est capable de multiplier, ou dit bien. Que le bon Dieu est capable de multiplier aux finances. Alléluia. Matthieu 14, verset 15, il montre nous qui. Ben, disciple fin approche de Jésus et l'idéaliste à lieu-là est désert. Je connais un lieu qui désert veut dire. Peine dans la boutique ouverte. Un lieu désert veut dire pénanoïe. Vous ne connaissez pas si on désattendait, parfois on dit, mais la vie, comme on dit, un désert. Il trouve la vie isolée, il trouve la vie tout seul. Désert veut dire, qui peut faire là? Pas qu'à faire non. Et l'heure fin déjà arrivée, avancée plutôt, verset 15, on dit, où on croit, 14, 15. 14, verset 15. Ben, on peut dire, ben, disciple peut dire à Jésus, renvoie la foule. Et je connais la foule qui est là, tu peux écouter Jésus. D'ailleurs, verset 14, tu as là, on dit, où tu as une grande foule, mais Jésus t'a ému de compassion pour eux. Bon Dieu n'est pas juste concerné en certaines choses de toute la vie, mais bon Dieu est concerné. Même avec tes finances. Nous continuons. Jésus répondit, dit, alléluia, alléluia, alléluia. L'œil des uns avancé, renvoie la foule, etc., etc. Jésus répondit, ben, n'a besoin sans, ben, besoin de parler. Donnez-le vous-même à manger. Aïe, aïe, aïe. Mais il lui a dit, nous avons 5 du pain des poissons. Et la foule, qui a 5000 hommes, sans compter, madame, sans compter les enfants, et nous avons 5 du pain des poissons. Tout le monde dit 5 du pain des poissons. Je crois pour cet individu, 5 du pain des poissons, pas qu'on ait lui-même qui commence tout seul. Aster en la foule, qu'il y a beaucoup de monde qui l'a. Imaginez-vous quelqu'un qui peut entendre de la parole juste avant ça. Je donne une place désert. Et je besoin dans notre village pour acheter quelque chose. Je besoin de déplacer. Mais bon Dieu les concerne. Jésus les concerne avec eux. 5-10 pains des poissons. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus dit, amène ça des 5-10 pains des poissons. Il fait la foule assise
pour donner une solution. 5 10 pains des poissons, Jésus les lève sur les yeux vers le ciel, les rend grâce. On pourrait dire 5 10 pains des poissons, impossible. Impossible pour nourrir la foule. Mais Jésus prend ses 5 10 pains des poissons là, les rend grâce, sans multiplier. Rendre grâce ce qui est là. Rendre grâce aux finances. Rendre grâce aux casques qui est là. Rendre grâce à la paix. Rendre grâce au compte. Quand on rentre l'ATM ou partir l'argent, Seigneur, me remercie-toi l'argent qui est là. C'est toi qui peux multiplier. Il paraît impossible. Ou capable de trouver un plan devant vous. Ou capable de trouver un projet devant vous. Mais Seigneur, comment avez-vous venu? Bon Dieu connaît. Seigneur, comment avez-vous venu? Mais mes finances passées. Au nom de Jésus-Christ, que ce qui est impossible là, pour vivre possible. Rends grâce. Tout le monde dit la multiplication. Moi, avec vous, nous finissons appelés, nous qui croyons dans mon Dieu, pour vivre dans l'abondance, pas dans le gaspillage. Et ce qui me contente, mon bon Dieu, les bénit nous, et pas ça, les pouvoirs à nous battre besoin. C'est qui se dit nous besoin, bon Dieu, les pour de nous lire. Amen. Remercie bon Dieu. Remercie bon Dieu de ce travail qui est là. N'a pas critique ou patron, n'a pas critique travail là. Remercie bon Dieu. Bon Dieu peut utiliser ce travail là pour lui capable de nous l'argent. Remercie bon Dieu. Alléluia. Et là, c'est quelque chose qui paraît impossible. Mais le projet là, vous pourrez réussir au nom de Jésus-Christ. Nous avons deuxième exemple. Dans Matthieu 14 même, verset 22. Aussitôt après, Jésus oblige mes disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Tu veux me dire l'autre côté. Pendant qu'il dit à la foule, mais je ne suis pas capable de retourner. Maintenant, quand les filles renvoient la foule, les filles montent vers la montagne pour prier à l'écart. Il était seul, etc. La barque, verset 24. Déjà au milieu de la mer, était battu par les flots. Tout le monde dit, et dans mon problème, mon épreuve qui peut arriver. Le vent était contraire. Imaginez-vous d'une barque. Bon, pas capable, imaginez-moi là-dedans. Au milieu de la mer, battu par des flots, du vent peut souffler, du vent contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, les morts sur la mer. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus qui les fait? Les morts sur la mer pour le verbe maintenant. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, Bana fut troublé et dit, c'est un fantôme. Aïe, aïe, aïe. Bana commence à dire un fantôme. Imaginez-nous, vous connaissez qui est arrivé là, dans sa flot là, dans sa tempête là, dans sa divan là, ben disciples, ils commencent à inquiéter. Vous connaissez quand un dimoun est inquiété, quand il passe le temps dans la peur, vous connaissez qui peut arriver? L'hypocause gonas. Là, l'hypocause commence à cause négative. Il est capable de dire à quelqu'un qui n'a pas besoin et tout. C'est même qui est arrivé. Dans une inquiétude, dans une frayeur, ben là, commence à pousser, ben cri. Mais Jésus, à cause de ça même qui donnait pour qui troublait, qui où était, donnait pour qui situation, qui où était. Jésus dit pour rassurer toi qu'il y a avec toi. Les diabana comme ça, c'est moi, n'ayez pas peur. Ah, le fameux Pierre. Les réponses, les disent Seigneur, mais c'est toi ça. Oh, donne qui m'est venu vers toi sur les yeux. Et tous les hommes m'ont assis là, au-delà. Ils viennent vers eux. Mais c'est toi-même ça. Parce qu'il y a un Adam qui est un fantôme là. Mais c'est vraiment toi-même, Jésus là, qui m'a aussi capable de venir. Vous connaissez qui est arrivé? Jésus dit allez, venez. Venez. Le trou Pierre, les croit dans sa parole là. Tout le monde dit à Pierre.
les croire dans sa parole. Les croire. Y aller. Bel courage, non, hein? Y aller. Maintenant qu'elle est sortie dans la barque pour marcher chez les eaux, c'est ça qui me peut montrer au deuxième qu'il se. Premier monde, il y a une multiplication. Deuxième, c'est qui ou bien bosse la bonne situation. Ou bien bosse la bonne épreuve. Quand il commence à marcher chez les eaux pour aller vers Jésus, il marche chez les eaux pour aller vers Jésus, qu'est-ce qui arrive? Il peut fixer son regard vers Jésus, il peut marcher. Ce n'est pas des lola qui peut prendre contrôle. C'est lui qui peut prendre contrôle, l'aura des lola. C'est lui qui me dit où. Quand on croit dans bon Dieu, on croit dans Jésus, c'est où qui peut prendre contrôle au nom de Jésus-Christ de sa épreuve, là, de sa situation, là, de sa circonstance. Aïe, aïe, aïe. Mais, guide qui est arrivé, Pierre Saint-Coutela, il n'est plus fixé sur le regard de Jésus, il est divin, c'est-à-dire, divin qui t'y faut, Philippe. Il commence à enfoncer. Vous connaissez quand on tient au regard de Jésus, on tient au regard de bon Dieu, c'est aux situations qu'il peut prendre en main. Ce qui est arrivé là, Pierre qui peut couler, de l'eau qui peut prendre en main, de l'eau qui peut enfoncer. Voilà. À cause ça même, mon frère, mon sœur, qui, quand on pas fixé au regard de Jésus, l'élème qui vous trouve impossible. Vous vous trouvez impossible. Impossible. Aussitôt Jésus étendit la main, saisit-il, dit allez, comment, homme de peu de foi, qui fait-on te douter? Jésus dit allez là-dedans. Pierre fixait son regard. Top. Pierre ne récit pas sur le. Mais quand il trouve divin qu'il faut, il tient son regard au Jésus, il est divin. Il trouve ça de là qui prend contrôle. À cause ça même qui, dans ou ban épreuve, fixé au regard au Jésus, parce qu'il fait au pour faux, au pour mort sur sa man épreuve. Dieu m'a pour mort, pas la foi, sur ban épreuve, et tout bonne situation. Donc, le troisième maintenant, qui est vraiment intéressant, je crois que ce soir, on peut apprécier de la parole de Dieu. Il y a une jolie parole. Parole bon Dieu, l'isolé, non? Qui veut dire? Parole bon Dieu, l'isolé. Il y a beaucoup de choses. Quand nous guettons, il n'y a aucune condamnation pour nous. Donc, le troisième, un moment que tu as quelqu'un de recevoir sa guérison. Un démon qui t'est paralysé. Marc 2, verset 1er. Alléluia. Notre Jésus t'est dans la case. Quand tu es rassemblé d'un grand nombre de personnes, quand l'espace, quand la peau devant la peau, tu as beaucoup de monde. Et Jésus peut annoncer sa parole. Alléluia. Mais des gens qui font une vie à lui, ils ont amené un quelqu'un qui est paralysé, paralytique, porté par quatre hommes. Quatre démons, quatre hommes qui font porter un quelqu'un. Alléluia. Porte un quelqu'un qui est sur le lit. Et à cause de la foule qui était là, je finis de découvrir qu'il y a un toit, le toit de la maison qui était où il était. Je ne peux pas descendre ça, quelqu'un qui l'a lit là. Je finis de découvrir ça. Qu'est-ce que la foi, ça? Moi, je crois que ça quatre quelqu'un là. J'ai envie qu'il y ait aujourd'hui ça quelqu'un là sur l'autre ça lit là. Je suis d'accord avec moi, mon frère, mon sœur. Ou pessoyer un démon. Il n'est pas une affaire facile, ça. Il n'est pas une affaire facile. Il paraît impossible. Devant toi, c'est un coup de là, il peut dire dans la Bible, et dans la foule. Plus pas facile encore. Il veut dire, et dans un obstacle, en face de parler. Il n'est pas un chemin libre, voilà. Astier, pour passer au toit,
pour descendre ça. Ou pas qu'on est si on déjà sorti un lombo, un lili. Ce n'est pas évident. Hein. Pour passer à l'escalier, pour passer ici, pour descendre ça. Et chacun peut dire non, on a fait comme ça. Ce n'est pas une affaire facile. Et maintenant, il y a la foule qui est là. Maintenant, on a fait ça d'une autre façon. Si tu passes directement là, c'est beaucoup plus facile. Mais passe pas par le toit. Tout le monde dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je fais une descente pour l'ouverture et le lit sur lequel ça quelqu'un là, tu peux tirer le lit là. Jésus, voyant leur foi. Ah, n'a pas croire que bon Dieu pas trop toute la foi. Dieu trouve toute la foi. Les dire à ça quelqu'un qui est paralysé là. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. À cause de ça même, il ne faudrait pas vous sentir coupable. Parce qu'il y a quelqu'un qui pardonne tout le péché. Il dit, mon enfant, ton péché finit pardonné. Etc, etc, etc. Vous ne pouvez pas y aller parce qu'il est temps de passer et vous connaissez qu'il est arrivé. Et, qu'est-ce qui est arrivé ça quelqu'un là? Jésus dit, ton péché finit pardonné. Pas ça. Bon, pardonne, tu te péché, déjà de l'affaire. Prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit. Va dans ta maison. Waouh! Il paraît quelque chose impossible. Quand on dit ça, il est impossible. Un démon qui n'est pas abusé, un démon qui sera malade, à 16, je peux faire lit d'un le passer pour là-haut rentrer. Il paraît impossible. Mais non. Quand Jésus rentre dans ce la vie, quand Jésus rentre dans ce la vie, ça quitte ce qui est impossible là. Monsieur est venu au solili. Monsieur, maintenant, sorti dans la casa avec ce miracle. Il prend le lit, il retourne la case. Quand il a dormi, il a dormi. Est-ce qu'ils sont la même? Et il dit à nous, à l'instant, il est levé, il prend ce lit. Et sorti en présence de tout le monde. Et nous avons fait de dire, nous avons fini de glorifier bon Dieu, et nous avons fait de dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça même qui est impossible, la vie est possible ça. Amen. Jamais je finis trop. Je connais, il montre nous la puissance de Jésus-Christ qui manifestait, non seulement pour ce guérison physiquement, mais aussi pour pardonner le péché de sa quiquenne-là. Waouh! Même sa quiquenne-là, ce péché finit pardonné. Il y a allé, ce péché pardonné, et il guérit physiquement. Est-ce qu'ils sont la même? À cause de ça même, peu importe qui peut passer dans l'écho, prends au miracle. Dieu lui pardonne toi pour n'importe qui accès qui est capable de te finir donner pour sa maladie-là, de rentrer. Il est capable de m'annoncer qui finit donne accès, qui finit poursuivre famille après famille. Nous dit à Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas qui accès, qui m'a capable de finir donner pour la maladie, fin rentre dans mon corps. Seigneur, te pardonne-moi et aujourd'hui, je prends mon miracle. Je prends mon miracle. Je prends mon miracle. Bon, prends mon guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'ils m'ont dit à eux? Nous regardons Matthieu 8 maintenant. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Matthieu 8, verset 5, il montre nous c'est un centenier qui aborde, vient avec Jésus. Le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Les filles atteignent un problème, les souffrent beaucoup. Les séparer, les faire face, les malades. Qu'est-ce qui est arrivé à ce serviteur-là? Les concernés. Ça sent une énorme plutôt de les concernés. Verset 7, il dit à Jésus, il dit, mais
Je peux aller, je peux guérir. Mais ça, c'est une des affaires qui est extraordinaire. Je ne peux pas dire pour accueillir toi sur mon toit. Mais dis seulement, tout le monde dit à dire, seulement un mot, mon serviteur qui est là-bas pour guérir. Qu'est-ce qui a été la foi, ça? Dis seulement un mot. Et dis-moi, qui se fait soumettre à ban supérieur, moi, à ban soldat, etc. Moi, dis autres, allez, autres, allez. Moi, dis autres, venez, autres, venez. Mais après l'avoir entendu, verset 10, Jésus finit dans l'étonnement pour dire, je vous le dis en vérité, même en Israël, mon père trouve aussi grande foi. Dire un mot, mon serviteur est guéri. Est-ce que vous l'avez même? Dire un mot, mon serviteur est guéri. Simplement un mot, à cause ça même qui... Quand on peut croire dans la parole de Dieu, quand on peut croire que bon Dieu est capable de faire, croire dans sa parole-là, par un mot qui vous dit, vous êtes capable de permettre un miracle. Qu'est-ce qui est arrivé à s'en tenir là pour prier, pour dire pour ce serviteur, les concerner? Vous connaissez, Jésus a une compassion pour nous. Nous aussi, pareil, nous avons une compassion pour Dieu. Dire un mot. Tous les jours, famille, tous les jours, parole qui vous peut dire, que cette bonne parole-là y édifie les autres. Donne solution à Mandimoun. Donne solution à Mankiken. Dis une parole. Dis une parole. Une parole est capable de sens l'avenir à Mandimoun pour meilleur. Est-ce que vous l'avez même? Une parole. Il est capable de faire du bien à un monde. Dire une parole. Nous vous passons très rapidement parce qu'il est temps de passer. Nous trouvons dans Marc 5, verset 21. Tu identifies. Ce papa est mis vers Jésus pour dire comme ça qui motifie les malades. Et vient imposer les mains. Mais toi, tu es dans la foule qui tu peux suivre Jésus et tu peux presser. En même temps, la femme de perte de sang que je te connais, elle est là, elle fait tout Jésus, etc. Je ne vais pas prendre en détail là, mais j'ai envie de vous montrer où qui peut arriver. Arrive dans ce moment-là, tu as un Dieu qui certifie que tu es malade là, n'est plus malade à cette terre, l'infini mort. Ah! Ça, on connaît qui est impossible. Impossible, là. Mais Jésus, qui y fait, il dit non. Bon, vous venez que toi, Jairus. Une fois qu'il est venu sur place, les dieux, la foule qu'il a, que ça certifie qu'il est mort là, il dit non, il n'est pas le mort, lui. Il est pédomie. Quitte ça. Nous le pouvons dire, mais c'est impossible. Jésus, qui n'arrive toi? D'ailleurs, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je ne connais qui peut dire ça. Il connaît qui peut dire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit non, il peut dormir. Il prend ensuite la main de la jeune fille. Il dit lever. Pourquoi qui est arrivé? La jeune fille est sortie de la mort, elle vit dans la vie. Je trouve la puissance de Dieu manifestée. La puissance de Jésus est manifestée. Il retourne dans la vie. Quelque chose qui est impossible. Quelque chose qui paraît qui peut arriver. Mon frère, mon sœur, il retourne dans la vie. Si vous pouvez faire face à la maladie ou l'écho qui peut-être organe pas pémorcé. Il paraît un mot. Ou gamin un rapport qui dit où n'est plié dans l'espoir. Il est impossible. Mais crois dans sa bonté qui fait l'impossible en vie possible. Quand la vie de Dieu est manifestée. Vous confessez qu'il cancer, elle disparaît.
me confesser qu'il y a un trouble, me confesser qu'il y a une cellule qui meurt, un organe qui meurt, un organe qui paraisse. Me confesser pour la puissance du Saint-Esprit. Que ça mon organe là, retourne à la vie. À la vie, maintenant même. Peu importe man, quelqu'un qui peut écouter. Peu importe man, quelqu'un qui peut entendre de son message là. Seigneur, tu peux intervenir, papa. Parce que c'est toi qui as la compassion pour ça, quelqu'un là. Oh, nous louons toi, papa céleste. 1 Corinthiens 2, verset 9, le pasteur Tico Zola, ce dimanche, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce qui les yeux pas trouver, ce qu'ils auraient pas entendu. Nous pouvons trouver un signe, un prodige. Nous pouvons trouver un miracle. Parce que bon Dieu fait une réserve, fait une prépare. Ben quelque chose pour tout ben du monde qui est content. Et dans le verset qui, moi, avec vous, nous avons dit, Romains 8, verset 28. Nous savons, Dieu me connaît, du reste que toutes choses les concourent au bien. Tout bon du monde qui aime le Seigneur et qui finit appelé. Moi, avec vous, nous finit appelé selon le plan de Dieu. Alléluia. Et tout bon qui soit pour vivre possible. Dieu, tout qui soit pour vivre possible. Tout qui soit pour concourir au bien. Vous connaissez quand on trouve dans l'épreuve. Sa épreuve-là pour changer, pour dans un moment de joie. Continue glorifier bon Dieu. Continue glorifier bon Dieu. Maintenant, on nous trouve dans Marc 4, verset 35. Jésus calmait une tempête. Si vous l'avez dit, comment dire une tempête? Ah, tempête. Tempête qui va te détruire. Nous trouvons Jésus dans Marc avec ce bandit. Une tempête qui fait face au trou Jésus pédomi. Ben, disciple, aller vers Jésus, d'y aller comme ça. Jésus, tu ne peux pas trouver, puis arriver un problème, non? Jésus, tu ne peux pas trouver nos mots. Et Jésus dit à Jésus comme ça, ben, qui fait une antiquité de la foi, etc. Mais une affaire, Jésus, il a calmé sa tempête, là. Il paraît impossible. Mais Jésus calmé. Ou la vie paraît dans ma tempête. Mais Jésus, il a calmé. Crois dans sa bonté, là. Alléluia. Et l'autre petite chose encore qui quand on croit dans mon Dieu, il donne goût à vivre. Il donne goût pour vivre. C'était nous, Tia Rodrigue, nous peut faire l'œuvre de Dieu, nous peut prêcher de la parole de Dieu. Et tu as une fille qui, pour lui, depuis le grand matin, il est dans sa pensée pour finir sur l'écho, pour finir lui. D'ailleurs, quelques jours avant, les types. Faire une réaction qui se famille, pas tu peux comprendre. Les femmes lit dans l'ensemble, les faire une réaction, et tu la raconte-nous après, là, qui est arrivé. Et ça joue là, ce parent, ce famille, dit, eh bien, tantôt pour un rayon, laisse-moi mener. Il n'a pas envie de venir à Tifila parce qu'il pour lui, aujourd'hui, il a fini sur la vie. Peine à goût de vivre, il dit. Vous connaissez qui est arrivé? Bon Dieu, c'est un plan pour lui. Pour Thierry là-dedans. Ça joue là, mon cours rappelle, il ne vient pas devant. Et nous peut prier pour lui. Dieu peut guider nous pour dire les bonnes paroles. Sans qu'il me connaisse, qui peut arriver. Sans qu'il nous connaisse, qui peut arriver. Il commence à pleurer. Pleurer. Et cette fille, elle est délivrée, ça joue là. Et après la réunion, il vient rencontrer nous pour dire à nous exactement qui tient dans ce conseil. Qui tient envie de faire. Et il raconte ça devant sa famille qui, tu crois, qui tu fais raison ensemble. Oui, il paraît bizarre, mais pas de s'attendre qu'il peut arriver dans une affaire grave. Cette fille-là, elle commence à trouver goût pour vivre à cette heure.
parce qu'il bon Dieu tout ça. Dans Jean 2, il montre nous qui, dans le mariage, tu manques quelque chose. Manque quelque chose. Jésus sent des lots, il me dit vin. Des lots qui peinent un goût. Où la vie paraît peine un goût. Mais bon Dieu, les poussons ont ça. Les poussons ont cette situation-là, mon frère, mon sœur. Cette fille, il prend des sions, il dit, à partir d'aujourd'hui, il met toute sa confiance dans bon Dieu. Toute sa confiance. Ce visage sans air. Vous connaissez quand il dit, il peut trouver noirté, il trouve tout de négatif. Il n'est pas stable. Ce visage peut paraître correct. Mais cette fille, après qu'il fit une guerre, le toucher de Dieu dans son vie, gloire à Dieu. Sur la vie sans net. Dans Nombre 23, verset 19, il dit, ça bondit qui moi avec vous nous servit là. Dieu n'est point un homme pour mentir. Toutes ces promesses qui est là, les bouzins, les vélos là d'ailleurs, dans Jérémie dit, 1 verset 12, les vélos se parole pour réaliser dans toute la vie. Mon bon Dieu, c'est pas quelqu'un qui mentit. Matthieu 11, verset 28, il dit à tout bon du monde qui est fatigué et chargé, c'est les mêmes qui vous donnent repos. Peuple du Seigneur, la famille de Dieu, je suis encore manquitsu pour dire où, mais je crois, je finis de dire où manquitsu est essentiel. Peuple du Seigneur, tout ce qui vous fait entendre aujourd'hui, médite-le sa parole là. Avec mon problème internet qui nous fait recevoir, mon petit blocage qui n'arrivait, au bout de moi, nous, réécoute le message. Ou capable de rentrer le message, réécoute-le. Comprends de la parole de Dieu. Qui bon Dieu capable sans l'impossible faire vivre impossible. Au bout de moi, nous, la famille de Dieu, nous fait une confession ensemble. Et bon, vous priez pour. Attendre que bon Dieu y intervenir. Oubliez tout de quelque chose de négatif. Oubliez que vous pouvez faire. Oubliez qu'il n'arrivait. Mais ouvert où les cœurs. Et je demande tout le monde qui est au lave, qui même dans la salle, répète ça la prière là avec nous. Dis à Papa Céleste. Dans le nom de Jésus, je remercie toi pour tes paroles qui m'ont fait comprendre ce soir. Je reconnais que tu es un Dieu qui fait à moi du bien. Je reconnais que tu es capable sans l'impossible pour faire vivre l'impossible. Je me fais comprendre pour tes paroles, Seigneur, que tu es tout le temps un meilleur plan pour moi. C'est toi qui es capable sans ma circonstance, ma moment difficile. Mais te dis à moi, crois dans toi, Seigneur. Ce soir, moi, active-moi la foi pour croire dans tes paroles de tout mon cœur. De tout mon cœur, me crois qui te même le Dieu qui est capable d'intervenir. C'est toi qui es capable de multiplier, Seigneur. C'est toi qui es capable de permettre, Seigneur, dans l'épreuve, dans ma situation, toi avec moi. C'est toi qui es capable de permettre, Seigneur, la guérison divine et la réalité. Seigneur, c'est toi qui pardonne mon péché. C'est toi qui es capable de ressusciter, Seigneur. Même ceux qui pourront amener vers la mort ou dans ma vie. Ça les vient à la vie au nom de Jésus-Christ. Tout le démon, Seigneur, qui fatigue nous l'écho, nous l'âme. Seigneur, tu intervenir, Seigneur. N'importe qui tempête, Seigneur, alléluia, mon épreuve.
te calmer, Seigneur. Te donne-nous goût à vivre, Seigneur. Goût pour vivre, Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu qui peut mentir, Seigneur. Mais ce qui te finit dit, elle te peut réaliser, Seigneur, dans la vie. Te fais-nous du bien, Seigneur. Mais tout l'âme ou les cœurs. Et recevoir ça la prière là. Papa Céleste, c'est ton plan qui vient en réalité, papa. Agir comme atelier, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Permets qu'il te plante, Seigneur, te projet de paix. Qui non de malheur, te projet de paix de réaliser, Seigneur. Permets-moi que quelqu'un qui est malade guérisse ce soir. Permets que quelqu'un, Seigneur, qui fait face à un problème dans notre finance, dans notre travail, dans notre business, dans notre vie sentimentale, dans notre vie mariage, te guérisse, Seigneur. Permets, Seigneur, alléluia, ma forteresse disparaît. Alléluia. Seigneur, qui nous capable de faire ma grande expérience avec toi, papa. Alléluia, ma grande expérience. Parce qu'il faut agir au-delà de ce que nous demandons et même pensons, Seigneur. Touche la vie de ton peuple, Seigneur. Agir, Seigneur, manifester toute la gloire. Permettre qu'il y ait un changement et un miracle. Tout le monde qui peut recevoir ta parole ce soir, je peux sortir plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, alléluia. Ta puissance est manifestée, papa. Nous louons toi, Seigneur, alléluia. Tout le monde dit amen. Amen veut dire, on peut dire oui à la parole de Dieu. Mais vraiment dans la joie qui m'ont capable à cause de la parole de Dieu avec vous, peu importe mon problème technique, internet, mais comme tu as là, je dis oui. Récoute le message, cherche le maximum que vous êtes capable, afin que tout le monde puisse attendre la parole de Dieu. Vous voulez dire, vous avez si vous avez envie, joignez nous, avec une grande famille, que nous adorons bon Dieu, nous écoutons la parole de bon Dieu encore. Parce que sa parole-là, elle fait vous dit bien. Vous pouvez joindre nous à Full Gospel Church of God, LVD de Kirpip. Nous, l'église, y trouve la rue l'Ecclésio. À côté d'Alas, snack, pour la bienvenue. Il est toujours un plaisir pour nous prier pour attendre que bon Dieu intervienne dans la vie. Merci beaucoup pour tout. On finit d'entendre la parole de Dieu, pratique sa parole-là. Et là, la porte qui me finit ouverte là, à aujourd'hui même, à l'instant même. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui finissent passer. Juste connecté à sa monde là. Le Seigneur bénisse eux, nous comptons eux et atteindre la puissance de Dieu nous manifester. Au revoir tout le monde. Amen.